Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Donc c'est un glitch assez stylé. Donc avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Kader 7000 non 71 400 zombie Call of Duty Black Ops. Donc je mettrai son lien en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube et vous abonner et à aller mettre un petit like sur la dernière vidéo qu'il a fait parce qu'il l'a présenté il y a plus d'une semaine et là il m'en a parlé seulement maintenant. Donc voilà, ça fait plus d'une semaine qu'il le connaît ce glitch et voilà, donc il m'en a parlé et là je vais vous le présenter. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un glitch ou un easter egg, mais voilà, c'est un peu chelou comme histoire. Donc en fait, il faut déjà dépasser une histoire de 60 manches. Donc là, je suis à 69. Plus vous allez monter dans les manches, plus le glitch sera épique. Donc voilà. Alors moi, je me suis mis en out of map, hein, mais vous pouvez très bien le faire en legit ou en glitch. Donc moi, je vais le faire en glitch, mais bon, voilà, tu vois, parce que je suis un glitcher. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Donc regardez, vous allez voir, c'est un truc de fou. Je vais taper un coup de... Non. Putain de sa mère. Je vais taper un coup de sable. Et regardez, vous voyez, ils meurent encore, les zombies. Les zombies meurent tout seuls. Vous avez vu? Regardez, ils meurent encore tout seuls. Vous voyez les hitmarkers? J'ai tapé une seule fois. C'est un truc de malade. Donc soit c'est en continu. C'est pas tout le temps en continu. Mais regardez comme ils meurent tous. C'est pas toujours en continu, mais regardez. Là ça tue. Là ça tue. Là ça tue encore. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est un truc de fou. Il faut dépasser la manche 60. Et plus vous allez monter dans les manches, plus ça va tuer en automatique. Regardez, c'est moi ça. Là ça tue plus. Hop, je remets un coup. Simplement un coup. Hein. J'appuie sur aucune touche et tout. Au début, on croyait qu'il fallait laisser notre touche appuyée, qu'il fallait interagir avec un truc ou quoi. Ben non, même pas. Je pourrais même m'éloigner, ça va tuer encore normalement. Donc là, ça tue pas. Attends, je mets un coup. Oh, oh. Oh merde, je suis mort. Voilà, c'est ma dernière chance. Hein. Hop, je mets un coup. Et voilà, ça tue tout le monde. Bon. Je vais quitter la game, je crois que vous avez vu de toute façon, hein. Vous avez vu que c'est trop cheaté. Je vais quitter la game parce que j'ai perdu toutes mes cartes. Et voilà, je tiens à mes cartes, bon, 60 clés de cryptage, j'ai quand même perdu 5 cartes, donc 6 cartes. Non, 5 cartes. Excusez-moi, il est 4h30 du matin, c'est pour ça que je parle pas très fort. Mais voilà quoi, il fallait trop que je vous montre ça. En plus avec le DLC qui va sortir, ça va être tendu pour moi pour faire des vidéos sur IW. Donc voilà, il faut le faire à 4h30 du matin, c'est rare que je le fasse. Vas-y, c'est la première fois de toute façon, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum ce truc de ouf. Et voilà, n'oubliez pas de commenter si vous avez quelque chose à dire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir sur la chaîne de Kader 71 400 zombies Call of Duty Black Ops. Donc je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Franchement, s'il vous plaît, allez vous abonner ou même rien que mettre un petit like sur sa vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront et voilà, merci à tous de votre soutien. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Putain les potos, je suis vraiment désolé, il est vraiment tard, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. En fait, il faut améliorer deux fois le katana. Et il ne faut pas utiliser la carte cadeau. Parce que j'ai utilisé la carte cadeau et ça ne fonctionnait pas. Alors je l'ai fait sans carte cadeau et ça a fonctionné. Donc je ne sais pas si c'est exactement à cause de ça que ça n'a pas fonctionné. Mais je crois que c'est à cause de ça. Donc voilà, je vous fais part de ça. Hein. Vous pouvez tester si quelqu'un sait plus, ben, mets en commentaire. Et je pense que c'est obligatoire d'améliorer deux fois le katana. Donc voilà, petite information en dernière minute. Désolé. Moi je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit ou tout ce que vous voulez. Allez, ciao. Peace les potos.